On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul, un nouveau craquage chez Nose. Le Nose sur Alon, la ville d'Alon en fait, qui est à proximité de chez moi. Et c'est un très grand magasin par rapport à celui qui est à côté de chez moi, donc du coup sur la zone nord du Mans. Celui-ci est vraiment assez grand, donc j'ai fait un gros craquage. Vous allez voir que j'ai quand même acheté beaucoup de choses qui ne seront pas pour moi puisque j'ai acheté pour ma maman, ma belle-maman, enfin voilà, j'ai acheté quand même beaucoup de choses. Mais je tiens à rassurer mon conjoint qui regarde cette vidéo, je te rassure, je ne vais pas garder tout ce que j'ai acheté. Je ne vais pas le stocker parce qu'effectivement, il y a un moment donné, la chambre va déborder, exploser. Voilà, donc rassure-toi, tout n'est pas pour moi. Il va y en avoir aussi chez ta maman. Donc Danou, si tu me regardes, prépare la place pour accueillir ce que je vais t'envoyer. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, je vous fais voir tout de suite ce que j'ai trouvé. Donc on va commencer par un tampon, une montgolfière avec des petits nuages. Il était à 1,99€, donc c'est toujours la marque Studio Light. Et c'est la collection Summer Breezes. J'ai trouvé également des serviettes, donc il y en a 20. Elles font 33 cm par 33 cm, un petit carré, et elles étaient à 0,99€. Voilà, donc derrière, c'est pareil. Ensuite, j'ai trouvé donc, dans la collection Happy Moments de chez Studio Light, pardon, donc ces dies-là sur du feuillage. J'aimais beaucoup celui-là, il est super joli, là, le rond, il était vraiment chouette. Voilà, donc là, je l'ai payé 2,50€. Ensuite, je me suis pris des petits post-it pour vous marquer mes mesures. Je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir des jolis papiers. Donc, on va dire que ce sont mes frais réels, mes frais professionnels du coup. 69 centimes et il y en a 8 blocs de post-it. Je ne sais pas combien il y a de post-it à l'intérieur. Hein. Hop. Ensuite, j'ai retrouvé des pochoirs. Alors, j'ai retrouvé deux modèles différents par rapport à ceux que j'ai achetés hier du coup. Ils sont toujours à 99 centimes. Et donc, vous voyez, le premier, il ressemble à ça. Très très élégant je trouvais, et celui-ci j'ai un petit faible vraiment pour celui-là, il est trop chouette. Voilà, ensuite j'ai retrouvé du papier, donc là je suis super contente. Alors, on partagera certainement les blocs avec avec ma maman et ma belle-maman. Donc 1,50€, alors comme hier hein, c'est effectivement la même page, donc 10 fois, voilà, donc d'un côté et de l'autre, super jolie fleur. Voilà, j'en ai trouvé un sur le thème de la jungle, donc dans les couleurs vertes, donc pareil, hein, 10 fois la même page, 1,50€, voilà. J'en ai trouvé un avec un joli petit cheval en bois, donc dans les tons gris poudré, elle est vraiment jolie, la couleur est vraiment chouette, donc toujours 1,50€. Voilà pour ce que je me suis prise à moi perso, on va dire. Ensuite, je vais vous montrer ce que je vais partager. Donc, j'ai trouvé deux blocs de papier. Donc, sur le même thème que celui qu'on avait, que j'ai trouvé hier. Les grandes feuilles de papier, effectivement, j'ai retrouvé donc, voilà, ces trois éléments-là, dont le tampon, hein, du coup. Et ces deux mini blocs là de 15 par 15. Donc celui-ci, je vais vous faire voir déjà. Celui-là, il était à 1,99€. Et puis ensuite, je vous fais voir donc les blocs, hein, comme hier, donc Studio Light aussi, hein, le Summer Breezes, ils sont à 1,50€, ils font 30 par 30, 170 grammes. Et donc vous avez 36 pages et je crois que c'est 9 modèles différents que vous avez, donc ça va tourner, hop. Ensuite,
Ensuite, j'ai trouvé des blocs de die cut aussi. Donc pareil, Studio Light. Et là, c'est Industriel 3.0. Donc à 2 euros, enfin 1,99€. Et là, je vous fais voir aussi du coup à quoi il ressemble. Voilà, un autre, donc là c'est la collection Let's Stay Home. Voilà, donc pareil, 1,99€. Ensuite, j'ai pris donc des serviettes sur le thème marin. Voilà, donc elles étaient pareilles, hein, 0,99€, vous en avez 20, 33 par 33. Ensuite, je suis retombée sur des dyes feuillage. Hop, voilà. Donc là ils sont à 2,50€, c'est le Winters, et donc du coup là c'est exclusivement du feuillage, des petites baies. Voilà, donc ça va être sympa aussi. Ensuite j'ai pris un tampon avec le dice qui allait avec, surtout le petit oiseau là, il est canon. 2,50€, et là c'est les essentiels. Alors du coup il n'y a pas la collection où je suis débile peut-être. La basique DC40. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé également ça. Donc 2,50€, c'est dans la collection Winters. Des petits sapins de Noël. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc pareil, dans la collection essentielle. 2,50€. Et vous avez des tampons et des dyes. Voilà, derrière ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Donc pareil, c'est dans la collection Breezes. Pardon. Donc c'est de la même collection que ces papiers-là. Et donc là, on a un petit nœud et puis des cœurs, des fleurs. Voilà. Donc pareil, 2,50€ chez Studio Light. Allez. Ensuite, j'ai trouvé ceux-là. Donc pareil, ils sont à 2,50€. Donc c'est toujours Stamp and Dice Cut. Voilà. Donc là, c'est des petits animaux. Il y a un petit koala, un singe, un caméléon et une feuille. Plutôt sympa. Là, on a un petit chien, enfin des petits chiens, un petit chat. Voilà, avec la découpe qui va avec. Donc toujours 2,50€. Et j'ai aussi trouvé sur les animaux marins. Voilà, donc 2,50€ aussi. Voilà, ça vous aviez vu déjà hier. Alors, si je vais vous faire voir ceux-là, donc du coup, parce qu'ils ont... Enfin, c'est pas les mêmes modèles que ceux que moi j'avais pris. Donc du coup, là, ils sont à 59€. Vous savez, c'est les petites choses transparentes, autocollantes, qui collent sur le verre. Voilà, donc là, elles font 26 cm par 7 cm. Et là, c'est très, très lavande. Voilà. Hop. Voilà. J'en ai trouvé un autre, du coup, mais là, qui est très noir et blanc. Donc, 60 cm toujours, hein, 31,5 cm par 9 cm. Voilà. Un autre sur le thème de la lavande. Ça fait très sud. Hein. Vous entendez les cigales là? Voilà. Pareil derrière. Donc du coup 31,5 par 9 cm. Ensuite.
Ensuite, on a trouvé j'ai trouvé du papier, donc celui-ci, donc toujours de chez Studio Light, 1,50€ les 10 pages, mais ce sont les mêmes, donc de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on a trouvé un dans les tons un peu bleus, enfin j'en ai trouvé un dans les tons un peu bleus. En fait, je vous dis on parce que j'étais en visio avec, avec Danou en même temps que j'ai fait mes courses pour lui demander si ça lui convenait ou pas, ce que je lui avais pris. Voilà, donc celui-là, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai déjà montré. Et cela, c'est ce d'hier. Et puis, bah, ensuite, comme si ça suffisait pas, je suis allée aussi chez Action. Et chez Action, j'ai trouvé des choses. Alors, du coup, pas du tout pour moi, mais j'ai trouvé aussi des choses. Donc, je vais vous faire voir. Hop. Donc, j'ai trouvé les nouveaux embellissements en métal. Donc, c'est les feuillages. Ils sont pas mal, hein, franchement, c'est quand même sympa. Celui-là, il est super joli. Voilà, donc au niveau du tarif, par contre, alors je vous avoue que mon ticket de caisse est là. Métal. Ils sont à 99 centimes. Donc j'ai trouvé celui-ci et celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris des dies. Donc pareil, hein, dans les tons, enfin dans les thèmes fleurs. Et alors, ceux-là, ils étaient à 1,99€. Donc celui-ci et celui-ci. Ensuite, j'ai pris ces petits tampons, montés sur bois. Donc il y a le petit oiseau avec son écharpe et son bonnet, les petits oiseaux sur la branche. Et le petit hérisson que je trouvais trop mignon. Ils étaient à 99 centimes pièce. J'ai également trouvé des blocs. Alors, je vous fais voir à quoi ils ressemblent. Donc le bloc, il était à 1,99€. Et j'ai trouvé un deuxième bloc, donc pareil, 1,99€. Et enfin, bah, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai réussi à trouver la machine à tamponner du coup de chez Action qu'on cherchait un peu désespérément du coup avec ma belle-mère. J'ai pas regardé de vidéo sur son usage, mais a priori ça avait l'air d'être quand même plutôt pas mal. D'accord, ok. Donc voilà, bah ça se présente comme ça, tout simplement. Il y a des petits aimants. Oh, c'est cool. Une petite mousse pour la ranger. Vous avez un quadrillage du coup à l'intérieur. Voilà, et hop, on tamponne. Et on presse. Eh bien écoutez, à tester, mais ça a l'air plutôt sympa. Il y a un antidérapant en dessous. Elle a l'air d'être pas mal. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas ressortir maintenant, hein, parce que je pense que sinon il va falloir que je mette une alerte, que je m'interdise effectivement d'aller chez Noz ou Action pour éviter d'acheter trop de choses, parce que vraiment là ça devient une catastrophe financière. Donc je vais me faire interdire comme les joueurs compulsifs de casino. Voilà, donc profitez bien de ma vidéo, de mon haul, parce que normalement vous ne devriez pas en avoir tout de suite de nouvelles. Voilà, bah je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.